Sensation, elle est bonne. On a fait un stage à Dubaï qui s'est bien terminé avec une victoire 3-0 contre le Bahreïn. Là, on va affronter une équipe de notre calibre, qui est l'Algérie. Donc, on est conscient de la tâche qu'on a à accomplir. Mais dans le futur, tout est possible. On est prêt. On sait que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être un match facile. L'Algérie est clairement un favori à cette CAN. Mais comme j'ai dit, dans le foot, tout est possible. Il y aura 90 minutes, on va voir 100 minutes et on va se battre pour essayer d'arracher quelque chose. On connaît bien sûr Riyad Mahrez, Islam Slimani, c'est des joueurs qu'on connaît et on sait que c'est une équipe avec de la qualité. Donc on va faire en sorte de lutter avec eux et d'arracher la victoire si possible. C'est un groupe qui est compliqué. Clairement, l'Algérie est favori dans ce groupe. Si on regarde sur les papiers, mais je pense que le Burkina aussi c'est pas mal et la Mauritanie non plus, donc ça va être un groupe qui va se disputer et chaque match va être compliqué dans ce groupe. Tous les trois matchs vont être difficiles, toutes les équipes qui sont ici elles sont compétitives, malgré qu'on sait que l'Algérie quand même reste un des favoris à la compétition, mais nous allons faire le meilleur pour faire un bon augure face à l'Algérie. Bien sûr, toutes les équipes sont étudiées, mais c'est vrai qu'on sait que l'Algérie a fait une bonne préparation. Maintenant, c'est pas l'Algérie ou le Burkina Faso ou la Mauritanie qui vont nous mettre on va dire en difficulté, nous avons confiance en la qualité, nous allons faire le meilleur pour faire bonne prestation en compétition.